Là, je suis dans une sauce assez terrible. Il va me falloir une voiture. On a même une belle voiture. On va y aller très discrètement. Oh, partez, madame. Allô? Oui, bonjour, ici la société de taxi. Ça va, Johnson? Ah, putain, tu m'as reconnu. T'es fort, toi. Ah, non, j'arrive. Ta voix change pas. Je vais prendre le taxi et j'arrive. Vas-y, je t'attends. Non, il y a surtout écrit mon nom, en fait, quand je t'appelle. Surtout. Ouais, allez, à tout de suite. Allez, on va chercher le Parkinson. Après, je vais traîner Jameson. Est-ce qu'il a un petit article à faire? Ah, putain, il y a aussi... Attends, oh, putain, il est où, ce... Qu'est-ce qu'il branle? Attends, il est parti où, lui? Allez, monte mon petit Parkinson, ça va ou quoi? Ça va, toi? Ouais, je t'emmène où? L'hôpital, je présume? Parking central. Ah! Faut que je récupère ma moto. Si, elle y est. Ouais, c'est ce que je t'allais dire. T'es sûr qu'elle est là-bas, hein? Bah, j'étais à la fourrière il y a 2 secondes, elle y est pas. Donc, Ah, d'accord. T'étais près de la fourrière ou... Oh, putain, ils sont bizarres un peu. Ah, oui, j'étais à côté, j'étais à côté. Ah, ok. Bon, ça se passe bien en ce moment à l'hôpital. Ça va, ça va. On recrute un peu de monde, donc ça va. Ouais. Et alors, t'as des nouvelles par rapport à hier? Parce que tu m'avais parlé d'une prise d'otage, là. Ouais, ouais. Apparemment, c'est tête de dinosaure, là. Avec sa famille, là. D'accord, ouais. Les gens du Nord, alors, c'est ça? Ouais, ouais, ils sont tous morts, là. Oh putain, personne n'a survécu? À part les 3 otages, non. Et tous les preneurs d'otages sont morts. Aucune idée par contre. Ok. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Je t'attends au parking central, tu veux pas direct aller à l'hôpital pour prendre le boulot au pire? Ah, j'aurais bien aimé faire un peu de sport avant. Eh ben y'a pas de soucis, allez, je t'emmène dans le parking là. Tu te démerdes. Ouais, ça marche. Voilà. Bon allez, t'es de la famille. Merci mon bon Johnson. Je suis quand même obligé de facturer, tu te donnes bien. Ouais, si t'inquiète. Sacré temps de merde, hein. Voilà. Ah là, il commence à y avoir un petit peu de vent, là. J'espère que ça sentira pas la tempête ce soir. Hop, je fermais la porte. Allez, passe une bonne soirée, hein. Ouais, toi aussi. Allô? Ouais, mon petit Jameson. Ça va, Jameson? Ça va, et toi, Jameson? Oh, mais je viens de prendre la sauce, il y a une tempête de fou, là. Comment ça, il y a une tempête de fou? Bah, là, pour aller à mes locaux, il y a un gros orage, c'est inondé, c'est le bordel. Ah, d'accord. Tu veux que je vienne te chercher ou pas? Non, c'est bon, je suis en entretien, là. Ok, ça roule, putain, tu t'arrêtes pas, hein. Eh, dis-moi, il y a eu un article hier ou pas? Ouais, il y avait Ricardo sur le coup. Ok, il a fait un article sur quoi? Bon, on a fait plusieurs articles. Non, sur. Ici, ça bosse, mon pote, hein. Ouais, je comprends. Et là, il m'a envoyé un mail, il est en train de bosser sur la fusillade qu'il y a eu hier là. Ouais, justement, n'hésitez pas à appeler Parkinson, il en sait pas mal, hein. Ouais, bah là, justement, je vais desservir en taxi. Apparemment, la famille là, les Manson là, ouais, ils sont ouais. Tous morts. Ah, bon, bah ils manqueront à personne, je pense. Donc, bah j'en sais rien, je sais pas trop s'ils étaient aimés ou pas, mais c'est dommage parce que j'avais prévu des petits trucs sympas pour eux. Ouais, et bah écoute, je finis mon entretien et puis j'appelle Parkinson, ok? Ouais, et dès que t'as plus rien à faire, tu me rappelles et puis on va traîner un peu. Ok, ça roule, à tout à l'heure. Ok, il y a le truc. Au fait, j'ai pas de masque, moi. Let's go, on va aller s'acheter un petit masque. Ma petite tête de cerf, là. Au moins, c'est fait. C'est combien, ça, un masque? C'est 50 balles. Alors, voilà, ça, au moins, gros. Valider cet achat, oui. Voilà, allez. On va faire un tout petit peu de sport, on va pas passer 2 heures. À mon avis, si je vois pas Parkinson, il a pas réussi à choper son véhicule. Allez, go. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oh putain, il y a bien un policier derrière. Vous allez bien monsieur? Oui, ça va et vous? Ça va. Je peux vous aider peut-être? Oui, il y a un capitaine ou pas là par ici? Non, toujours pas. Non, je suis tout seul actuellement, mais je peux prendre un message ou prévenir non, dès que... Non, allez, vous inquiétez pas. Il y a un peu d'écho dans cette pièce. Ouais, excusez-moi, j'ai un petit problème. Ah d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bon, bah passez une bonne soirée alors. Bah bonne soirée à vous. Ok, donc il est solo. Putain, je serais bien un braco. J'ai combien là en compte? J'ai combien en banque? Ça va, ça monte quand même pas mal. Oula! Ouais, désolé, c'est des pulsions que j'ai envie là. Ah, effectivement, ça va très bien. Vous devriez pas rester sous la pluie comme ça là. Ah, ouais, c'est vrai, je vais prendre un parapluie. Oui, ce serait peut-être une bonne idée, ouais. Bon, vous travaillez dans quoi, monsieur? Eh ben, je viens d'être recruté en tant que journaliste. Eh ben, félicitations, vous travaillez donc avec Jameson, c'est ça? C'est ça, si j'ai bien compris, c'est votre demi-frère, il me semble que vous m'aviez parlé de lui il y a quelques jours. Ouais, exactement, vous avez été pris sur un article là, non? Là, pas encore, alors j'ai un projet de... Je peux pas vraiment vous en parler, hein, parce qu'il ouais, me semble que vous bien. Êtes pas dans le... Voilà, il y a un petit projet qui se met en place et je pense que d'ici peut-être dimanche, il y aura un petit truc nouveau qui va sortir. Ok, bon bah entre temps, des petits articles, ouais. J'ai eu quelques projets et je pense que ça va faciliter mon intégration. Eh ben j'ai hâte de voir ça. Bon bah je vous souhaite voilà, une bonne soirée, surprise. Monsieur. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Ah ouais, putain. Oh, y a pas une voiture, putain. Par contre, si je retrouve le fils de pute qui est en shafter... Putain, c'est pas vrai, y a plus une voiture, gros. Bon, là, par contre, j'ai récupéré ma voiture, mais vu qu'on peut pas la fermer, ça a pas été programmé. Normalement, je la récupérerai pas, je porterai plainte. Mais...
peut pas fermer les véhicules personnels. Vous savez quoi, je vais faire des clients. En attendant... Ouais, allô? Oui, bonjour monsieur, vous avez appelé un taxi? Ouais, mais je vais devoir l'annuler puisque notre boss il est arrivé. Très bien, bon, on va passer une bonne journée monsieur. Bonne journée monsieur. Oui, bonjour monsieur, vous avez appelé un taxi? C'est ça, je voulais savoir si on avait un dispo. Eh bien, bien sûr, j'arrive de ce pas monsieur. Je suis au poste. Très bien. Oula, bon. Vous allez bien monsieur? Bon, nickel. À la fourrière du coup, s'il vous plaît. À la fourrière, c'est parti. Allez, bah vous faites quoi dans ma vie monsieur? C'est le lieutenant. Ah, c'est... Mais putain, j'arriverai jamais à vous reconnaître, je pense. Hein. Va falloir un petit temps d'adaptation hein, pour ça va le faire, ça va le faire. Ça se passe bien, là, l'SPD? Ouais, nickel. Donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu quand même des gens un peu se plaindre, il faut passer par la LSPD pour récupérer son véhicule en fourrière. Alors, en fait, des fois, les véhicules, ils sont ni en fourrière ni dans votre garage. D'accord. Et du coup, nous, par rapport à votre plaque, on peut la forcer à être en fourrière pour aller la récupérer. D'accord, ok, vous appelez un gars de la fourrière et il la met là-bas. C'est ça, on fait une petite demande sur l'ordinateur et elle est transférée à la fourrière. D'accord, c'est plutôt pas mal ça. Ouais, effectivement. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois, on retrouve pas son véhicule et... Ouais, ça c'est un petit peu embêtant. Mais vous faites souvent des réquisitions de véhicules ou... Pour ? Bah, je sais pas, des gens mal garés, des gens qui n'ont pas leur place ici. Non, rarement. Rarement ? D'accord, et ça se passe plutôt bien en ville en ce moment? Ouais, ça va, c'est un peu chaud, mais deux, trois petits trucs, quoi. D'accord. Bon, tant qu'il se passe rien au service taxi, moi, vous savez... Tout va bien. Exactement. Ah, bon, bah, vous retrouverez votre véhicule, hein, j'ai confiance là-dessus. J'espère, je vous régler. Ah, là, ça fera 80$, monsieur. Tenez. Hop. Merci, monsieur. Allez, bonne journée, au revoir. Bonne journée aussi, au revoir. Voilà. Oui, bonjour, monsieur, vous avez appelé un taxi? Si, si. Je suis à l'hôpital. D'accord, je dépose un client et je suis à vous tout de suite. Si, si. A tout de suite. Ouais, monsieur, voilà. Vous êtes bien sur le parking, en bas? Non, je suis pas sur le parking. Attendez, si vous êtes là-bas, je viens. Non, je vous vois là, je vous vois. Bougez pas, monsieur. Si. Voilà, monsieur. Ok. Voilà. Allez, je vous dépose où, monsieur? Désolé, le masque, c'est pour Halloween. Ah, je comprends bien. Et tant que vous me faites pas de mal. Si. Je vous dépose où, monsieur? Alors, j'aimerais aller dans un endroit pour le truc, là, les coiffures pour les maquillages, parce que ça dérange un peu ici. Eh, dans un hôpital, c'est pas spécialement commun, si vous voyez ce que je veux dire. Si, non, mais c'est parce que c'était Halloween et je pensais pas qu'il devrait travailler un peu aujourd'hui, parce que normalement c'est... Ah, vous travaillez à l'hôpital? Si. Ah, je suis interne, je viens d'être... Oui, allô? Maquillage. D'accord. Bonjour, monsieur, vous avez appelé le service taxi? Oui, s'il vous plaît. Bah, c'est pour vous dire que je desserre un client et je suis à vous. Très bien, merci. A très vite. Et il y a besoin qu'on me redépose aussi là-bas. Et je vous redépose à l'hôpital juste après, c'est ça? Si. Ah, il revient tout de suite, il enlève tout de suite. Il revient. Faut que je le redépose direction l'hôpital. Vous êtes mexicain? Ah si. D'accord, vous avez réussi à passer le mur? Non, il y avait mes papiers. Ah, vous aviez vos papiers, d'accord. Vous êtes américain alors? Ah si, maintenant, il y a jamais et tout. D'accord, ok. Je comprends bien. Ah, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vous renverrai là-bas. Hein. Ah, si. Gracias, monsieur. C'est bon. Voilà. Parce que combien il vous doit? Allez, bah écoutez, sortez du véhicule et je vais vous dire. Ouais, c'est pas grand chose. Attendez, bougez pas. Voilà, monsieur, c'est $100. Ah, écoute, monsieur. Partez pas, restez. Ok. Voilà. Merci, bon, monsieur. Bon, bah, gracias, amigo. Bonne route. Une bonne journée. Gracias. Allez, let's go. Eh ben, on commence à avoir du client par ici. On commence à avoir du client, ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour monsieur, vous avez demandé un taxi? Oui, s'il vous plaît. Allez-y, c'est par ici. Vous pouvez me déposer à l'hôpital, s'il vous plaît, monsieur? Allez, c'est parti, direction l'hôpital. Bonne journée, ça se passe bien? Bah, ça se passe plutôt bien, et vous, monsieur? Bah, ça va, tranquille. Vous travaillez au commissariat? Oui. Ah, vous êtes cadet, non? Oui. D'accord. Et ça se passe plutôt bien pour vous? Bon, ouais, nickel. Vous allez passer agent bientôt? Ah, j'espère. Ah, il se passe de ces... Ah bah justement, j'avais votre lieutenant. J'ai dû le déposer à la fourrière. Et c'est vrai qu'apparemment, là, ça commence un peu à chauffer en ville. C'est pas évident pour tout le monde. Avec la criminalité en hausse, bon. Ah, ça va baisser. Voilà, monsieur, ça fera $35. Je voilà. Signifie. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Allô. Allô, ça va, moi? Ça va et toi? Ah ouais, ça fait longtemps, putain. Ouais, bah j'étais voir un peu le médecin, là, il m'a filé quelques petits trucs, là, ça va. Ah, tu vas survivre? Ouais, je vais survivre au cancer, ouais. Ah merde, putain, j'ai pas réussi. Bon, qu'est-ce qui se passe, mon petit moi, alors? Dis-moi, c'est quoi cette merde, là? Pourquoi il fait un temps de merde comme ça, là? Mais c'est quoi cette histoire de fantôme? Quelle histoire de fantôme? Eh bah, apparemment, il y aura des fantômes, c'est quoi cette histoire? Bah j'en sais rien, putain, on est quel jour, là? Le 31 octobre, tu sais que j'ai peur des fantômes, moi. Ah putain, le 31 octobre et t'as peur des fantômes? Ouais. Bah ouais, mon pote, tu sais c'est quoi ou quoi le 31 octobre, bordel? Attends, j'ai fait quoi le 31 octobre, moi, la dernière... On est au stage, c'est Halloween le 31 octobre, putain. Ah, d'accord. Tu veux qu'il y a des bonbons? Chercher des bonbons? Attends, t'as un masque? Non, mais je peux en acheter. Va acheter un masque et va acheter un couteau. Bon,
On va demander des bonbons. On va demander des bonbons, Saoul. Et s'ils n'ont pas de bonbons, ils vont nous donner de quoi s'acheter des bonbons. Ok. Vas-y. Essaye de voler une voiture et garde-la. Vas-y. Ouais. Ouais, t'es prêt ou pas? Attends, y'a un mec qui me suivait, j'ai le respect. Ok, j'attends au service taxi avec la voiture volée. Les voitures volées? Non, toi. Ok, ouais. Vas-y. Ouais, ouais. Ouais, bah tu t'es perdu ou quoi, putain? Non, mais je t'ai dit qu'on m'a suivi, j'ai dû paumer le truc, et là j'ai été acheter un masque à cousin. C'est qui t'a suivi? Je sais pas, une comète noire. Ok. J'aimerais plus dans tout cas. Ok. Bah vas-y, je t'attends devant le service taxi. Attends, il m'a retrouvé ce fils de pute. Non, mais c'est pas possible. Donc, ah, je sais pas. Agresse-le au couteau, sors le cut, il était masqué? J'ai pas encore acheté le couteau. Non, non, il est pas masqué, il a un costume blanc. Eh, sors et agresse-le là, ce fils de pute. Fais genre t'as un flingue. Eh, j'ai pas le couteau là. Bah va à la munition. Et je sais pas comment il m'a trouvé. Au moment où je t'ai dit que je vais à la munition, il est là. Non, mais peut-être qu'il te suivait de loin. Écoute, va à la munition, prends-toi le cut, tu sors avec le cut, tu l'agresses. Putain, j'avais pas vu, il y avait de la musique de pédale dans ma voiture. Allez. Emmène-nous, on va changer là. Ouais. C'est combien une tenue? 140, non? Ouais, 140. Bon, allez, let's go. On raquette 2-3 personnes alors? Ça va? Ah ouais. Ok, t'as pris une belle porte. Eh, faut pas qu'on se fasse griller. Hein. Hein, t'as dit quoi? Il y a un raquette Parkinson et Jameson. Tu veux les raquettes? Ouais, leur fait une blague. Mais tu veux vraiment les raquettes ou pas par contre? On leur met vraiment un coup de pression? Oui, on leur met un vrai coup de pression et la réunion, ils nous sortiront. Ouais, on se fait agresser par des clowns. Hein. T'as pris quoi en masque? Un clown. Ok, bah vas-y, je vais. Tu m'emmèneras prendre. Emmène-moi à prendre un masque après. Ouais. Eh, faut pas qu'on se fasse choper. Hein. Ça fait coûter cher la blague. Hein. Bah, c'est pas grave, hein. On est jamais là, on n'aurait qu'à pas la payer. Allez, et faut qu'on évite de choper un flic qui est pas en. Allez, c'est bon, t'es vrai. Il est bien celui-là, là, le pull. Voilà, la petite clochette ou celui-là, vas-y. Non, faut le bas. J'ai oublié des gants, putain. Tu crois que c'est indispensable ou pas? Non, il y en a plein des blancs. Des gants. Oui, non, mais même si on sait que t'es blanc, on s'en branle. Ok. Au pire, ils se concentreront sur toi, pas sur moi. Ah, mais non, mais en reine, je suis dans le l'esprit de Noël, c'est bon ça. Allez, vas-y, mets Thomas, putain, on va raquer les gens. Allez, on va envie de mettre le premier qu'on voit, on l'arrête. Si c'est une voiture de flic, tu cours. Ça va mal finir cette histoire. Je le sens mal aussi. Après, c'est Halloween, hein. Attends, salle de sport. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, on arrive à pied là-bas, on fait jouer Halloween tout le monde dès qu'il y en a qui est tout seul. Ouais. Des bonbons ou la vie? D'ailleurs, on met quoi comme phrase? Bah, des bonbons ou la vie. Et s'ils disent j'ai pas de bonbons, on va demander un par un, on les prend à part. On fait ok, t'as pas de bonbons, viens avec moi. Et on va dire maintenant tu vas monter dans la voiture, ok? Ok. Ah, ils sont trois. C'est qui? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre qu'ils se séparent. Mets-toi un endroit plus discret, recule un peu. Bah, je crois qu'on a déjà été assez vu là. Tu crois qu'ils nous ont cramé? Ah oui. Avance un peu, voilà, c'est bon. Dès qu'on envoie deux marchés vers la voiture, on ira. Ouais, faut à tout prix qu'on embarque un gars et on va loin. Hein. Mais attends, mais reste, ils vont pas rester longtemps. Ah, mais si on croise les flics, on est dans une sauce. Y'a quelqu'un là dans la voiture? Oui. C'est qui? Jameson. Tu veux qu'on s'occupe de lui? Vas-y. Vas-y, descends. Emmène-le. Bonjour, monsieur. Bonjour. Des bonbons ou une blague? Une blague. D'accord, des bonbons ou la vie? Une blague. Vous avez pas de bonbons, monsieur. Je rentre à l'hôtel, je vais manger. Pardon, vous avez dit quoi? Vous avez pas de bonbons? Non, j'ai tout donné aux enfants déjà. Ah, moi je suis un grand enfant, moi. Ouais, ça m'en a la tout l'air. Je peux avoir un bisou? Il veut pas cramer. Un bisou? Oui, un bisou. Où? Sur ma main. Ah, j'adore ça, monsieur. Vous pouvez venir avec nous, monsieur? Bien sûr. Allez-y, montez dans la voiture, s'il vous plaît, monsieur. Ah, attendez, je peux juste ranger ma camionnette? Allez-y, monsieur. Bon, il va y arriver ou quoi? Je vais vous aider, monsieur. Hein. Bon, vous avez besoin d'aide ou ça va aller? Non, allez, ça va aller. Un petit angle à gauche, là. Voilà. Vous allez regretter. Il y a quelqu'un qui chuchote, t'as entendu ou pas? Ouais, bah ferme ta gueule. On n'a pas le temps pour tes conneries. On n'a pas le temps pour tes conneries. Allez, monsieur. Bon, descendez, monsieur, là, c'est chiant. Monsieur, oui, mais il faut que vous ferme dégagez. Ta gueule en fait. Tu descends, ah, putain. Il faut que vous dégagez, monsieur. Allez, monte. Voilà. Attends, il se barre. Attends. Pourquoi t'es pas resté à côté de la voiture, hein? Mais non, mais t'as un problème. T'as un problème cerveau. Va falloir que tu. Pas vraiment. Viens. Si, je t'assure. T'es le seul. Ah bon? Ah, oh, putain, mais tombé. Viens, on va l'attendre. Vas-y, on va l'attendre juste là. Vas-y, attends. Bah attends, je vais à l'étage, je fais une petite sieste alors. Ouais, il l'a rangé. On l'attend, il va revenir. Ouais, plus cher pour Radio, okay. Il y a la police qui a fait un tour à côté de mes locaux. Oh non, on va peut-être pas y arrêter là. Apparemment, il y a des petits malins qui s'amusent à braquer les gens et ils sont tous en patrouille là. Ok, ça roule. Attention à vous les gars. Ouais. Pendant pour Radio, je suis en ville. On va peut-être pas rester là en fait. Bien reçu. Ça va, toi, tu vas t'en sortir de ta maladie? Ouais, bah le cancer, je m'en sors bien, ouais. Quel baltringue, hein. Bon, je pense qu'on peut attendre là. Tu veux, on change. Viens, on change juste de fringues. Et c'est Halloween après tout. Ouais, ça coûte cher. Tiens, t'entends les flics? Non. Ah, si. On a encore rien fait, quoi, déjà cherché.
Ouais, mais bon, il fait ça mal dringue, l'autre. C'est, ça annonce que du bon. Attends, retire le masque en vrai, non? Attends. Voiture de police là-bas. Regarde. Où ça? Oh, chez Jameson là-bas, regarde. Juste là-bas. Ouais. Elle est à l'arrêt. Ah, la couverture, c'est pas fou, hein. Ouais, bah, je sais pas, dès que je vais à la droite, hein, c'est. Hop, je me relève. On a rien fait qu'on est déjà recherché, mais putain, mais quel mal dringue, lui, sérieux. Demande-lui à quoi il ressemble les agresseurs. Ouais, il ressemble à quoi, là, les deux Gugus? Masque de clown. Ouais. Et un pull, des pulls multicolores. Tu sais, un peu comme des pulls de Noël, tu sais, avec des petits motifs et tout, là. Ok. Et là, vu que j'ai pris leur voiture, il y a la police scientifique qui va rechercher des empreintes, des cheveux et tout. Ouais, bien sûr. Ah, ça va, plus tu veux. Ouais, police scientifique. Ah, ils vont en trouver des cheveux, hein. Ouais, et c'est surtout que la police scientifique travaille sur un truc qui a pas eu lieu. C'est quand même incroyable. Ouais. Il s'est rien passé, personne n'a été agressé ni rien. Oh putain. Ça annonce que du bon pour la suite. Je serais bien monté haut du toit là, pour observer mieux, mais... Viens, on va baiser le flic. Mais il est pas tout seul. Et on est pas tout seul non plus. Ouais, on est deux. On a juste des couteaux de clochard. Non, t'as un couteau, moi j'ai rien toujours. Bah voilà. Ouais, ils vont rester combien de temps là-dedans? Ah, c'est bon, ils sont. Ouais, ils s'en vont. Tu devrais faire un article, je pense, pour dire de faire attention à deux personnes qui se baladent dans les tenues là. Parce que ça craint si on peut plus se balader tranquille. Je suis en train de voir avec la LSPD, apparemment, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs incidents avec des personnes avec du maquillage et des masques. Oh putain, bah ouais, mais les gars. Eh, mais c'est pas Halloween là? Ça doit y jouer. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un rapport. Hein. Ça doit y jouer, ouais. Ouais, je pense. Allez, un bouge. Bon, on fait quoi maintenant? On prend une voiture. Bonjour monsieur, on vous emprunte votre caisse. Et tu sais que l'amende c'est cher hein, pour un véhicule. Hein. D'accord. L'amende c'est cher. Hein. Ah bon, c'est combien? Mais je crois que c'est 1500 non? 1500, bah on t'en prend une bonne voiture alors. Non. Bah tu vas aller où? À la salle de sport et on fait la même? Ouais, on va checker. Viens, on va faire notre sport au calme comme si de rien n'était. Vas-y. Et dès qu'il y en a un tout seul, on embarque. Attends, parce qu'on va peut-être y trouver le petit Jameson là. Avec sa camionnette. Ah, il a pas pris de camionnette, hein. On dit pas, il avait rien. Et si après j'en ai vu l'autre de barrette, tu m'as. Attends, parce que s'il y a un flic, on est dans la merde. Oh, y a personne. On aura pas l'air con si le flic arrive d'en face de nous. Ouais. Attends, c'est pas possible qu'ils arrivent d'en face. Ils le font des fois. Je sais pas. Non, mais sinon, on va se mettre dans les toilettes là-bas. Là. Ou derrière les tribunes, attends. Attention. Deux indignes. Mais qu'il est con. Ouais. Ah, j'ai pas une famille d'intellectuels. Hein. Oh, y a bien un connard qui va bien faire son sport. Ça n'a aucun sens. On peut attendre longtemps là. Ouais. Eh, on peut faire un petit traquenard aux Italiens là. Le problème, c'est qu'ils sont sensibles de la gâchette. Oui, je vois qu'ils sont encore mais plus cons que James. À partir du moment où on est trop loin, viens, on va aux tribunes. À partir du moment où un mec va voir deux gars courir fluorescents, il va se casser en courant. Hein. Non, pas forcément. Combien t'as acheté ton couteau toi? 5000. Oh putain. T'avais combien sur toi? 5000. Oh putain. Ouais, j'aurais bien fait ça à Parkinson et à le ramener dans une cave. Faut-il déjà... Il a pas dit qu'il partait manger? J'en sais rien, moi. Tu veux qu'on retourne vers Life Evander? Viens. On est dans la merde. On enlève le masque ou pas pendant qu'on est au volant? Non, c'est Halloween. Ouais. J'suis pas sûr que ça passe. T'inquiète pas, je vais conduire comme... Ouais, mais t'en connais beaucoup, toi, des civils avec des masques. Oui. On remarque Halloween, oui. Non mais, on a rien fait. Gold on a rien approché. Donc voilà, ouais. Ils nous arrêtent, on fait bonjour, c'est Halloween, on va chercher des bonbons, c'est tout. Oui, oui, puis ils contrôleront pas la voiture. De quoi? Ils contrôleront pas la voiture, si on roule normalement. Ah bah oui, y'a aucune raison. Vas-y, je regarde derrière, je te dis s'il y a du monde. Vas-y, moi je regarde devant, je te dis s'il y a du monde. Vas-y. Après on peut aller au nord, hein. Je crois pas que dans le nord, il y a ça trop blague. Bah ouais, mais bon, ça reste Halloween. Il y avait des prises d'attache quand même. Tu crois qu'au Texas, ils font des blagues ou pas dans le nord? Non. Ouais, ils en font, mais que contre les Mexicains. Au pire, avec les Mexicains, on va les voir, mais... Tu sais ce qu'on peut faire au pire? On va la fouiller. Ouais. Ah bah tiens. Attends. Suis-les. Suis-les, c'est une piste de but. Ils sont deux. Ah, vas-y, c'est notre case. C'est notre case. Vas-y. Oh, descendez du véhicule. Oh, on a des armes. Bon, descendez, la blague. Véhicule. Allez, on descend là. Allez, on monte dans le 4x4 noir. Oh, sous coblé. Montez vite dans ce 4x4. Allez, on monte vite. Non, pas au volant. Ah non, descendez. Pardon. C'est pas grave. Allez-y, montez. Allez, montez, monsieur. Allez, on prend vos téléphones et vos radios. On prend vos téléphones et vos radios, vous pouvez plus communiquer, messieurs. Bon, de toute façon, ça avait pris l'eau, hein. C'était déjà mort. Ta gueule ! Tu fermes ta gueule ! Ouais. T'aimes bien Halloween ou pas ? Non.
Pourquoi? Non, fais bisous. Et maman, on va te faire découvrir cette fête, mon pote. Fais bisous sur ma main. Fais-lui bisous sur la main. Voilà. Ah, j'aime bien. Ah, tu me fais plaisir. Vous appelez comment, messieurs? Moi, c'est monsieur Alexei. Très bien. Et vous, monsieur? Jameson. Très bien. Faites un bisou sur ma main, monsieur Jameson, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Alexei, faites un bisou sur ma main aussi, s'il vous plaît. Oui, par contre, faut me l'attendre. Hein. Faites un putain de bisou, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et attachez vos ceintures, je l'ai pas fait. Attachez vos ceintures. Vous allez Est-ce que monsieur. Vous connaissez Halloween, messieurs? Bon, c'est fête américaine, mais bon... Eh ben, bienvenue en Amérique. Oui, God bless, hein. Oui, God bless, c'est ça. Vous avez combien sur vous, monsieur Alexei? Je sais pas, faudrait que je regarde, attendez. Eh ben, on va regarder. $20. $20? Oui. Très bien. Vous avez combien sur vous, monsieur Jameson? $114. $114? Eh ben, c'est je crois incroyable. Qu'on va pouvoir s'acheter des petits bonbons avec. Oh oui, laissez-le nous présenter, moi je suis Gipsy. Gipsy? Oui, Gipsy le clown. Et bien, moi, vous avez Jimmy. C'est ça. Jimmy le renne. Jimmy Neige, je suis le reine des neiges. Je suis quand même pas trop rassuré, monsieur. Ouais, mais vous avez bien raison. Pourquoi vous avez peur de moi? Vous aimez pas les clowns? Bah non, mais c'est juste que bon, c'est rare de se faire embarquer par personne, habillé, masqué, comme ça, avec un couteau, en fait. Un couteau, ça l'est. Ah, mais on n'a pas que des couteaux, monsieur, vous inquiétez. C'est par rapport à l'article sur le Nord? Attendez, monsieur, vous posez beaucoup de questions. Normal, je suis journaliste. Ouais, mais fermez-la. On vous demande rien. Bah, vous faisiez quoi devant le commissariat, monsieur? C'est pas bien de courir comme ça, hein? Vous avez pas l'air d'avoir peur, hein? On était en train de subir des choses paranormales dans le commissariat avec Alexei. Oui. Oh putain. Il y a Alexei qui est tombé parce qu'il a pris un coup de on sait pas qui. Oui, un esprit. Il sait pas. C'est intéressant. On s'en bat les couilles, putain, fermez-la. Préparez des petites blagues dans votre tête, on va faire un petit concours tous ensemble. On va faire un petit concours de blagues, celui qui gagne, il survit. Celui qui gagne, il garde la vie, ok? Ça marche ou pas? Vous voulez faire les malins? On va faire les malins tous ensemble. Et ça commence maintenant, Alex, c'est une blague. Oula, qu'est-ce qui est... Allez, je laisse patienter. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui est vert et qui attend? Vous allez vite mourir, vous. Oui, mais bon, humour, c'est pas trop mon truc, hein. Humour soviétique, vous savez, apparemment, les gens d'ici, ils aiment pas trop, hein. Ouais, je comprends. Ouais, on aime tout, là. Il y a un truc qui m'a un petit peu déçu, là. C'est que le monsieur Jameson, situé à ma gauche, il revient du commissariat, et j'ai cru voir qu'il y avait un petit article sur des hommes masqués en ville. Deux, plus précisément. Il concernait qui, cet article, monsieur Jameson? C'est normal. Je me suis fait braquer à mon local. Et vous n'avez pas dit que c'était non, monsieur Jameson? Allez, on descend. Allez, on monte, on rentre dans la mine. Je rappelle que vous n'avez plus aucun moyen de contacter personne, entrez dans cette putain de mine. Et je rappelle qu'on a des armes sur nous. Est-ce que vous avez des armes sur vous? Non. Non. On va vous fouiller quand même. Après, j'ai quelque chose en pantalon, mais allez, on avance. Allez, avancez. Faites gaffe, pas moi, il y a des fantômes ici. Et Dieu sait que j'aime pas les fantômes. Jimmy, va-t'en devant eux pour éliminer le passage. Avec on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. Ouais, on aurait dû rester... C'est vrai. C'est un peu de la merde, là. Non, c'est bon, ça fout en avance. C'est bon, mettez-vous là. De toute façon, grâce à nos pulls, vous savez où on est. Et voilà. Bon, retournez-vous, s'il vous plaît, regardez-nous. Tu peux les fouiller, s'il te plaît, on va vous fouiller. Je rappelle qu'il y a un couteau de chasse. Faites pas les malins. Il a pas d'armes, c'est bon. Et vous, êtes sûr que vous avez pas d'armes? Oui, moi, à part ce que j'ai dans le pantalon... Monsieur, donnez-moi vos $100, s'il vous plaît. Tout de suite. Merci, monsieur Jameson. Vous savez que c'est pas bien d'aller voir le commissariat, hein? Et c'est pas bien de courir quand on vous dit de pas bouger, monsieur, hein? Merci, monsieur. Ok, là, rien non plus. Est-ce que vous connaissez Halloween, messieurs? Oui. Vous aimez bien Halloween? Oui, j'ai jamais vraiment contrarié, mais bien. Bon... Racontez une blague, monsieur Alexa, et faites-nous rire. D'ailleurs, mettez-vous un peu à l'écart chacun, avec en cas où s'il y en a qui crèvent, et pas deux. Voilà. On sait jamais, un coup de couteau, ça peut vite t'arriver. Monsieur Alexei, racontez-nous une blague, s'il vous plaît. Oula, vous me prenez vraiment un peu dépourvu, hein, vous savez, Vous voulez que je demande... C'est qui le supérieur, là, des deux, là? Vous êtes au même rang, qu'est-ce c'est que moi. C'est moi. Non, c'est lui. Le directeur. D'accord. Monsieur Alexei, vous voulez que je demande à votre directeur Oui, comme ça, je cherche un peu dans ma tête, là, j'ai vraiment... Si jamais il a pas de blague et qu'il nous fait pas rire, c'est vous qui prendrez le coup, monsieur Alexei. Pourquoi? Bah parce que vous êtes une putain de pédale. Non, pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez pas de blague, et moi j'ai envie de rigoler. Ok, si vous voulez, j'ai blague, mais bon... Ah, parce que voilà, monsieur Alexei, vous voyez quand on va toujours tenter, hein, quitte ne tente à rien. Eh bah allez, racontez-moi une petite blague maintenant. Quelle est la différence entre le mot Poutine en Russie et au Québec? Ouais, dites-moi. Dans un des deux pays, il se bouffe, dans l'autre, il se suce. T'as compris, toi? Non, mais qui répète, j'ai pas écouté, j'ai vu quelque chose apparaître là-bas, une voiture. Non, mais ça me gêne, vous savez, moi, les blagues, j'aime pas ça. Répétez la blague. Oui, d'accord. Quelle est la différence entre... En tout cas, ça fait pas bien rire votre patron, ça. Oui, non, apparemment... Oui, mais c'est pas grave, c'est plus difficile. Quelle est la différence entre Poutine en Russie et Poutine au Québec? Dites-moi. Dans l'un, on le mange et dans l'autre, on le suce. Ok. C'est où qu'on le suce? En Russie. Et pourquoi on le suce en Russie? Oui, mais en Russie, ça... Oui, d'abord, j'ai peur. Monsieur le directeur... Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'il mérite un coup de couteau?
Non, j'irai pas jusqu'au coup de couteau, mais... Oui, non, mais moi, tu il es mérite pas, un je coup, suis pas hein, monsieur le directeur, dis-moi. C'était pas très drôle. Voilà. Fils de pute, tu vas raconter des blagues drôles ou pas? Tu comprends ou pas? Allez, au suivant pour la blague. Monsieur Jameson, à vous pour la blague. Vous connaissez la différence entre l'acné et un prêtre? Non. L'acné, il attend que l'enfant ait 12 ans avant de venir sur son visage. Ça me plaise, ça me plaise. Ça commence à me plaire. Monsieur Alexei, on revient. Sachez que ça se partage en 3 manches, hein. Là, il y a un 0. Allez. Là, il y a un 0. Oubliez pas que c'est votre vie qui est en jeu, putain. Oui, mais bon, vous savez, moi... Ta gueule. Tu racontes ta blague. Alexei, fais ce qu'ils te disent. Raconte une blague vite. Mes blagues sexuelles, j'ai pas trop. On s'en fout. Sexuel, pas sexuel, tu nous fais rire, putain. Pourquoi les poules n'ont pas de sein? Allez, dis. Bah parce que les coques. Non, pas demain. Monsieur le directeur, ça mérite un coup de couteau ou pas? Pas un coup de couteau. Pas autant. Ah, mais monsieur, j'ai fait... Ta gueule! Tu vas me faire rire, putain! Monsieur Jameson, je vous écoute pour votre blague. Vous savez pourquoi Jésus, il a pas pu jouer le match de foot entre Jérusalem et Bethléem? Parce qu'il était mort. Il était suspendu. J'aime bien. C'est une bonne blague, ça. Ça, c'est 2-0. Un 2-0, ça, non? Un 2-0, plus qu'une manche. Monsieur Alexei, racontez une blague. Comment est-ce qu'on appelle... couilles de roux. Vas-y. Des roubignoles. Monsieur le directeur, ça mérite un coup de couteau ou pas? Non, monsieur le directeur, aidez-moi. Mais là, Alexei, je peux rien faire, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Oui, mais... Ferme ta gueule. Il est vraiment éclaté, celui-là. Tu comprends qu'on parle? Monsieur Jameson, c'est à vous pour la troisième manche. C'est parti. La troisième et dernière manche. Vous connaissez la règle du cache-cache en Somalie? Pas plus de 15 derrière un arbre. Oh. J'allais dire pas plus de 50 derrière un arbre. C'est pas mal, il aime bien le gros salaire. Voilà, c'est pas mal. 2,5 Vous avez quoi sur vous, monsieur Alexei? C'est-à-dire, un argent. Vous mettez argent, la pression aussi. Armes, dites-moi. 20 dollars. Donnez-moi les 20 dollars. D'ailleurs, Jimmy, il y a quelqu'un qui nous attend à la sortie. Hein. Tenez. Merci. C'est qui nous attend à la sortie? Je sais pas, il y a un véhicule qui est apparu, il y a un mec aussi qui est apparu avec. C'est quand même assez cocasse. Mais quand je dis que c'est apparu, c'est pas arrivé, c'est apparu. Messieurs, venez avec nous. On rentre. Attends, il a perdu la blague. Vous allez pas nous faire de mal? Bien sûr que non, on n'est pas des méchants. On voulait juste rigoler. On a eu nos blagues, c'est le principal. Monsieur Jameson, faudra que vous m'appreniez blague. Bah, je sais pas, ça vient tout seul, Alexei. Sachez que chaque année, il y a plus que les porteurs. Non, oh là là. Sachez aussi une chose, les balances et les baltringues, j'aime pas ça. Allez, fais un saut. Prochaine aussi. Fois qu'on vous voit, vous savez ce qui se passera. Allez, montez dans le véhicule, s'il vous plaît. Ah, j'aime bien ça. Ah, j'aime beaucoup ça. Wow. Hey. Ah. Wow. Wow, c'est bon, on a répondu à vos blagues, hein. Ça suffit, hein. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Oh, ça... J'entends rien, là. J'entends pas non plus. Alors, pour l'instant, messieurs, je vous confirme que j'entends rien du tout. Eh ben, écoutez, on va y aller. Montez, je sais pas ce qu'il dit. On a peut-être moins dans sa mais bon, c'est peut-être remué, il a peut-être... Monsieur, je vais monter dans le véhicule, monsieur, voilà. Il est frais, acolyte de Zorro, voilà. Il avait problème aussi, hein. Allez, écoutez, monsieur, désolé du dérangement. On sait pas qui vous êtes, mais vous avez un problème, hein. Mais on va y aller, du coup. On va y aller, au revoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ouais, c'est rien, vous inquiétez pas. Il était peut-être mieux. J'ai l'impression qu'il y avait Bernardo qui était en train de me braquer, là. Allez, c'est rien, ferme ta gueule. C'était personne t'a demandé de parler. On va vous déposer chez vous, allez. On vous dépose où, messieurs? Ah, on a le choix? Ah oui, bien sûr. Oh, on n'est pas cruel, hein. Ah bah, déposez-nous au commissariat. Eh bah, allez, oui. Attends, vous comptez porter plainte ou quoi, là? Non, on a voiture, là-bas. Ok, si vous portez plainte, on vous retrouve, on vous tue. C'est compris? Promis juré sur Poutine, jamais j'ai eu. Il y a intérêt, on le saura si vous apportez plainte. Il y a mon téléphone qui sonne, vous pouvez me le rendre ou pas? On vous le rendra tout à l'heure, monsieur. Ok. Par contre, moi j'ai un peu pouvoir fouiller dedans. Les notifications Pornhub, hein. J'apprécie, hein, monsieur Jameson. C'était pour un article? Ouais, bien sûr. On vous rendra votre téléphone éteint, par contre. D'accord. Putain, faut que ça tourne. Oh. Ce qui est bien, c'est que le braqueur, il est venu avec une voiture de merde. Pas fou, hein, ce braqueur. Pas fou, hein. Il est complètement con. Attends, tu peux me déposer Dépose-moi pas très loin, là. Attends, je te dépose après. C'est rien. Ah, dépose-moi la boutique de fringues, là, au passage, s'il te plaît. Je vais changer de pull de Noël. T'as bien aimé ce pull ou pas? Ouais, j'adore. Vous pensez quoi de ce pull, monsieur Jameson? Il est flashy. Ouais. Mais c'est pas plus un pull de Noël que d'Halloween. Vous voulez retourner dans les mines ou pas, monsieur Jameson? Non, mais vous me demandez mon avis, je vous le dis. Et vous, monsieur Alexei, vous pensez quoi de nos pulls? Ah, très coloré, très varié, et puis en plus, on voit cible avec chasseur dessus, donc ça veut dire un peu vos attentions. Ah. Vous voulez vous changer aussi? Non, vas-y, déposez-le au commissariat. Mais si on vous rendra vos téléphones éteints au commissariat, d'accord? Donc le temps de vous allumer, hein, vous avez compris. Oui. Allez. Nickel, c'était drôle. Belle. Allô? Ouais, c'est bon, je les ai posés à leur véhicule. Eh ben, c'était drôle. Oui, c'est très drôle. Vas-y, je vais au commissariat. Vas-y, je te rejoins après.
Vas-y. Ah, Johnson. Ça va, mon putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, tu sais pas ce qu'il y en a, c'est de m'arriver là. Il t'est arrivé quoi? De Gugus là, ouais. Coincé de m'embarquer là. De qui? Un en tête de clown, un en tête de cerf. Mais non, tu déconnes. Et si, ils m'ont demandé une blague. Et alors? Bah, je leur ai dit un mot dans leur mère. Et me suis barré en courant. Et je les ai. Oui, ça marchait. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai envie de me balader. On va voir Jameson un peu? Vas-y, attends, je mets un casque. Ah, ici Radio, je suis avec Mo là, on traîne un petit peu en ville. Vous faites quoi de bon, messieurs? Fuchsia, pour Radio, je viens d'arriver en ville, on m'a kidnappé avec mon journaliste. Mais non, tu déconnes. Par deux individus masqués comme tout à l'heure. C'est les mêmes? Bah oui, puisqu'il a lui-même dit que c'était eux, donc... Ils t'ont embarqué où, putain? Je sais pas, dans une montagne, je sais pas trop quoi. Ils ont pris mon argent, notre argent. Ouais. Et ils voulaient des blagues pour Halloween. Oh putain, mais ça va? Ouais, non, ils nous ont pas fait de mal. Enfin, mon journaliste, il a pris 2-3 beignes parce qu'il est pas drôle. Ah, mais moi, ça va, j'ai réussi à m'en sortir. Bien sûr. Mais c'est bizarre parce que quand on est sorti, il y avait un autre mec avec un flingue. Ouais. Je croyais que c'était leur complice. Mais apparemment non, mais je sais pas, enfin c'était un bordel monstre. Putain, il avait un flingue ce con. Bah le mec tout en noir, ouais, il avait un flingue, ouais. Bah vas-y, t'es où là, on arrive? Bah là, je vais pas au Comico parce qu'ils m'ont dit de pas porter plainte. Ouais. Donc j'ai récupéré ma camionnette. Ok. Et je dépose Alexei. Bah vas-y, bah dites-moi où vous êtes, on arrive. Bah rendez-vous à la salle de sport. Allez, let's go. A tout de suite. Ouais, j'ai rarement peur des gens qui parlent pas beaucoup, hein. T'en penses quoi toi? Ouais, moi non plus. Hein. En plus, c'est Halloween, tu sais, ça sentait le flingue factice, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je pense pas que c'était un vrai flingue. Ouais, et puis je sais pas d'où il sort. Hein. Ouais, mais quoi qu'il arrive, il a dû y retourner. Ouais, je pensais qu'il allait comprendre un bout d'un moment que c'était nous. Mais comment veux-tu qu'il comprenne? Ton rire. Ouais, mais bon, on est des millions à rigoler, hein. Ouais, mais pas comme toi. Ça va, Jameson? Salut, Beau. Salut, Jameson. Oui, t'en as fait de mal, ces salopes. Non, non, rien. C'était pas méchant. Ils voulaient juste s'amuser pour Halloween. Ouais, je peux comprendre. Par contre, quand vous êtes arrivé, il y avait une autre voiture derrière vous. Quoi? Ouais, une espèce de Smart blanche, là. Ah ouais, mais tu sais qui c'est... Yamo, il s'était fait suivre, il m'avait appelé, il se faisait suivre aussi il y a une heure, je dirais. Parce que là, elle a ralenti quand vous êtes arrivé. Ah ouais, il est quoi? Peut-être revenu. Il est où? Mais j'en sais rien. Il est parti. Allez, une Smart, c'est-à-dire 4 places Non, les toutes petites bagnoles, là. Tu sais, les pots de yaourt. Ah, les Twingo. Ouais, voilà, les trucs comme ça, là, 2 places. Là. Elle est arrivée là, quand vous êtes arrivé, elle a ralenti, et hop, elle est repartie au fond. D'accord, et tu crois que c'était pour nous? Bah, j'en sais rien, avec tout ce qui se passe... Ouais, putain, je te raconte pas. Je sais pas. Bon, tu voudrais qu'on les retrouve ou pas? J'ai pas de... À part qu'ils ont des pulls horribles, on a rien, quoi. Ouais. D'accord, alors on va chercher des mecs avec des pulls horribles. Fais un peu du yoga, Jameson, ça. D'ailleurs, une soirée à Halloween à 22h. Ah ouais, où ça? Je sais pas. Ouais, nickel, t'as d'autres infos? Une soirée à 22h. Ok, ouais, voilà. Vous avez vu Human Centipede? Oh la vache, regarde, il y en a un petit boule là. Voilà. Regarde, hop, on appelle ça le lotus bleu. Ouais, c'est le lotus humain. C'est mon petit boule là. Voilà, c'est le lotus marron. Hein. Bon messieurs, je vous propose de faire un petit tour à l'hôtel. Je commence à être un peu fatigué. Ouais, moi aussi avec toutes ces émotions là, j'ai un repos. Ça va aller toi vraiment? Ouais, j'ai su me contenir. Ouais, mais... Ils étaient pas, voilà, ils... Mais t'avais fait quelques années de Krav Maga. Oui, non, mais c'est surtout que... T'aurais pu les étaler. Avec les... Non, ça sert à rien. La première fois, ils avaient juste un couteau et j'étais loin, donc j'ai pu m'enfuir. Mais là, on était trop proches. Et le mec qui était avec toi, ça va, il a pas été traumatisé? Non, bah tu sais, lui, il vient de Russie, hein. Ah, là-bas, oui, c'est son lot quotidien, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, hein. Il y a toujours le contre-coup, le contre-coup. L'important, c'est que vous avez pas été blessé, putain. C'est ça. Bah, c'était bien drôle. Ouais. T'es une blague d'Halloween. J'ai hâte que les gens entendent parler de ça dans 6 ou 8 mois, dans ma famille et tout. Tu vois? Ouais. Non, parce que je prends des photos souvenirs de tout ce qui se passe. Ouais, après, ouais. J'en fais des vidéos compilations et je les montre à mes grands-parents. Voilà, ma grand-mère est morte, mais je les montre à mes autres grands-parents, tu vois. Bah, tiens, si le tir, tu en montreras. Bah, voilà, c'est ça. Bah, j'ai hâte d'avoir leur réaction, on va rigoler. Ça sera sûrement dans 5 ou 6 mois même. Allez, une bonne nuit de sommeil.